mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous retrouve ce soir pour une émission spéciale Congo Musica pour vous présenter quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Il est sur notre plateau. Avec lui, nous allons parler de ce qu'il a vécu depuis son arrestation en 2006, libéré en 2014. Il a passé presque 8 ans en prison, je dirais 8 ans en prison pour rien. Et j'ai cité le bishop, archibishop Coutenot Fernando. Il va essayer de nous expliquer, de nous donner les différents épisodes de son séjour en prison. Et nous avons suivi avec attention il y a quelques années. Alors, sur ce plateau, il y a bishop Roger Kabeya qui va nous accompagner. Bonsoir Roger. Bonsoir. 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 Vous allez très bien. Dieu fait grâce, ça va. Ouais. En tout cas, nous sommes désolés pour tout ce que vous avez vécu. On a suivi de près. Vous êtes un homme populaire, vous êtes un homme de conviction. Vous avez risqué votre vie pour la RDC, pour ce peuple congolais. Comment vous vous portez aujourd'hui? Très bien. Bon, c'est vrai que physiquement, il y a des séquelles. Moralement, je suis très bien et très fort, en forme. D'accord. Donc, vous continuez toujours à prêcher. Bien sûr, à prêcher. Parole. Je prêche. Alors, aujourd'hui, on vous reçoit, puisse-vous nous expliquer ce que vous avez vécu. On l'a vu de loin. Pour rappel, M. Coutenot, vous avez vécu beaucoup de problèmes. Pourquoi, je me demande d'abord, pourquoi vous avez toujours eu des problèmes avec tous les pouvoirs qui sont prêts d'installer Kinshasa, avec le régime Mobutu, vous étiez très jeune, avec Kabila père et Kabila fils. Des fois, on s'est dit, est-ce que vous n'avez passé pas votre temps à provoquer pour faire la prison, ou c'était vraiment par conviction que vous arrivez à avoir tous ces problèmes? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la question de l'énigme. Moi, je veux le faire. On suit la chronologie, par ordre d'arrivée, par exemple avec le régime Mobutu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous étiez arrêté sous le régime Mobutu? Pourquoi? Oui. Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas ouvertement. Oui. Parce que ce sont des secrets d'État. Oui. Vous voyez, vous étiez dans le secret d'État, ou? Il y a des choses qui s'est passées. Et qu'on peut représenter le tribunal, mais derrière le tribunal, il y a autre chose qu'on ne peut pas dire. Pour venir, même très bon bouton, il faut poser la question, comment il était sorti de la prison? Lui qu'on a condamné, et comment il était sorti de la prison, et comment on le voyait ce qu'il a dans la ville? Lui, il était censé être en prison, mais l'homme était censé être en prison, on le voit au magasin acheter à manger, il s'est promené, il est sorti le week-end. On se pose la question, mais comment? Pendant que d'autres sont en prison, mais lui, il est, vous le voyez samedi, se promener, vous le croisez en ville. Expliquez-nous alors, on fait. Voilà, c'est point. Pour dire que là, c'est sur le secret de temps. On ne peut pas dire. Et pourquoi? C'est un signe. Dieu a permis, comme je dis, c'est un signe pour marquer la fin de mon bouddhisme. Il fallait que mon bout puisse arrêter. Qu'on monte un coup, une histoire, et que mon bout vient, arrête. Ils arrêtent, ils montent un truc faux, des armes, ils montent un truc bien maquillé. On me met en prison, mais derrière ces coups, il y a autre chose qu'on ne disait pas aux gens. On montre aux gens, on l'a arrêté pour ça. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? Le vrai problème était autre chose. Alors, vous ne pouvez pas nous le dire avec le temps, aujourd'hui, mon bout, tu n'es plus là. Oui, il y a des noms, il y a beaucoup de noms. Oui. Il y a des noms que je respecte, que j'ai encore, même d'autres sont morts, d'autres sont encore là. Mais ce sont des gens que j'ai à respecter. Et j'ai mal à citer leurs noms comme ça devant des caméras, parce que les images restent, oui. Ça reste. Là, je pourrais dire ça en privé. Derrière la caméra, je peux t'expliquer en bref quels ont été les enjeux. Et j'étais, à temps de mon bout, j'étais dans les enjeux
J'étais vraiment dans des âges de Mobutu. Pourtant, vous étiez jeune. Malheureusement, mais moi, très jeune, mais j'ai beaucoup de responsabilités tout en étant jeune. Et j'écoutais des grands, tout en étant jeune. J'écoutais des gens, je voyais tout. Et curieusement, on m'associait dans des choses d'État, tout en étant jeune. Les histoires d'État, on m'associait. On avait confiance en moi. Jusqu'à ce qu'un homme d'État aussi, un grand homme, on parlait, il m'a dit, en blaguant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a touché. Il dit, mais on m'a dit au service là-bas, mes gens m'ont dit, mais comment tu as confiance à ces jeunes hommes ici? Qu'est-ce qui te dit qu'il est vraiment sincère avec nous? On parlait comme ça, il va raconter ce qu'il dit. Moi, on m'a dit, mes collaborateurs m'ont dit, mais patron, pourquoi tu l'es dans des réunions, tu as confiance à cet homme pour qu'il fasse la prière? Oui, mais pourquoi il écoute nos problèmes d'État? Lui, il a dit, je ne sais pas, moi, je me sens bien quand il est là. D'accord. On parlait comme ça, il m'a dit, moi je suis bien quand il est là. Je me dis, même à la fin, il aura des points où quand il ira prier, il priera pour nous et pour les pays. D'accord. Va te la réponse. Mais pourquoi ça? C'est la providence, c'est Dieu. Dieu a ouvert les portes. Dieu a commencé depuis le jeune âge. David, Dieu a commencé avec lui depuis qu'il était jeune. C'est le signe de Dieu. Et des grandes portes me sont ouvertes comme ça. Dieu a permis que je puisse raconter des grandes à ce monde comme de la blague. Les gens qu'on trouve, ils font des shit et des jidos pour les rencontrer. Moi, par un miracle, une baguette magique, comme on dit, oui. Je vois la personne. Facilement. Alors, même après, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une blague ici? Je vois que non, c'est avec lui. Pas tellement dans un comme ça. J'ai une grâce exceptionnelle. Si je dis, je vais voir telle personne, je vais le voir. D'accord. Et où tantôt, telle personne me cherchera. On m'a envoyé, on a besoin de toi par telle autorité. Je sors de la maison, on vient me chercher plusieurs fois. Alors, comment vous expliquez ça? C'est ce contact facile que vous avez. C'est moi-même, je me dis, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui est en moi? Je ne comprends pas, mais je sais que j'ai quelque chose. Quelque chose en moi qui fait que des grandes personnes sont attirées vers moi. Vous l'avez toujours? Oui. Parce que bientôt, je vais rencontrer encore quelques grands de ce monde. Je n'ai pas forcé, mais je vais rencontrer. Ah, d'accord. Alors, là, c'était le temps de Mobutu, je ne voulais pas lui dire. Nous sommes dans le temps de Kabila Père, mais là, c'était vraiment de la provocation. Kabila Père. Vous déchirez le Coran. Oui. Hein? La peine. Le fatwa, c'est presque la peine de mort chez les musulmans. Oui. Comment arriver à là, c'est encore. C'est très sensible. Mm-hmm. Là encore, pour parler, c'est. J'aime pas parler de choses qui sont très sensibles. Mm-hmm. Tu sais, la politique et la religion touchent beaucoup. Ouais. Et la religion, ça va blesser. D'autres plaies, c'est passé. C'est pas bien d'aller renouer la plaie qui est déjà passée dans le cœur des gens. Okay. Le couteau dans la plaie. Hmm? Renouer le couteau dans la plaie. C'est dangereux. Parce que il y a. Merci. C'est vrai, surtout en ce moment. En ce moment, c'est la pas. N'est pas vraiment bonne. Ça nous avance à rien. Non, d'accord. Tout ce qui touche la religion. Nous arrivons avec Kabila Père. Oui. Il a cru qu'il a. Kabila Père, lui, le problème de Kabila Père. Là, comme il n'est pas là, mais je vais le dire. C'est aussi un peu d'état, mais je vais te le dire. Mm-hmm. Parce que là, c'est fini. Kabila Père, je vous dis la vérité, l'histoire. Encore dans les cas de secret dedans. Pourquoi m'arrêter? En plus, pourquoi? En dehors de l'histoire des musulmans, il y a un problème. Quand il y a un problème, quand j'ai un problème, numéro un, quand j'ai un problème avec nos amis, nos frères musulmans. Kabila Père, avec
le colonel Eddy Kapendi, aujourd'hui libéré, il partait vers Libye. D'ailleurs, on avait écrit dans les journaux. Arrivé à Libye, Kadhafi avait refusé de les recevoir. Et là, on avait même chassé comme un chien. Ah ouais. On dit, chez vous là-bas, quelqu'un de vous nous a touchés. Ça, à part de là, il est retourné avec colère. Il était mécontent. Aussi, à ce moment-là, il y avait nos joueurs. Jouer dans des pays, je ne sais pas quel pays, et pendant les matchs, les supporters sont des gens tabassés les Congolais. Ils ont tabassé. À cause de cette histoire de. Oui, c'était très sérieux. Et tout ça, c'est sur. Je devais payer ça. Et ça dérangeait le pouvoir de Kabila le père. Je comprends, de Mosé, disons. Autre chose que je vais dévoiler aujourd'hui, que les gens ne connaissent pas. Kabila le père avait l'intention de construire la grande mosquée africaine au Congo, musulmane. Il avait pression, on le faisait pression. Et il avait mis sur son accord de monter la grande mosquée au Congo. Deuxième chose, il voulait faire asseoir l'islam au Congo. Les musulmans au Congo. Et que les musulmans devaient être comme. Et à un moment, au Congo, on voyait les musulmans faisaient les campagnes d'évangélisation comme nous on faisait, les chrétiens faisaient. Ils avaient une liberté, et à l'époque soutenue par un de ses conseils qui était très fort. Il était mort là, il était pétrolier. Qu'est-ce que c'est pas son nom? Paul. Oui, un Paul. Les pétroliers, Paul. Voilà lui, c'est lui. Il était musulman aussi, hein. Il était très musulman. Ah, il avait toujours. Oui, oui. Et c'était lui. Mmh. Et quand Mathieu, c'était le nom. C'est pas moi, c'est toi. Victor Mboyo. Voilà, moi j'ai dit c'était un pétrolier. Mmh. C'était un pétrolier. Donc, le but était de faire asseoir l'islam au Congo. Mmh. Mais ils ont bouté un problème. Ils ont vu au Congo, il y a un homme qui fait asseoir le christianisme et qui élève Jésus comme Dieu. Chose qui est différente de la religion, de la confession. Et cela a créé un problème. Donc, il fallait fermer la bouche à cet homme. Voilà ce que je dis, un des bombes d'État. Les gens ne connaissent pas. Alors, ils ont envoyé des gens pour me provoquer. On m'a demandé de faire des missions à la télévision. J'avais beaucoup de provocations. Il y avait de nos frères qui m'envoyaient des messages. On a demandé que je passe à la télévision pour parler. On parlait. D'abord, il y avait une guerre secrète entre moi et quelques amis de mes amis. On discutait. Ma mère, on demandait d'aller à la télévision. Une fois, en plein croisade de Vincent, c'était le 24 novembre. Il y a un groupe de musulmans qui sont entrés dans ma croisade, sont venus terroriser les gens. Et un imam a dit, c'est qu'en plein air, c'est qu'il dit c'est faux. Jésus n'est pas Dieu. Il a commencé à crier. Ils ont soulevé le Coran. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est pas une provocation. Ils sont entrés en plein croisade avec les devant. Je peux avoir ces films. Et moi j'ai arrêté, j'ai dit bon, au lieu de discuter. Je veux qu'on démontre aux gens. Quand vous êtes là, moi je suis ici. Vous dites que vous, votre religion, il y a Dieu. Moi je dis dans ma religion, il y a Dieu. Moi je dis Jésus-Christ est Dieu. Vous dites non, il faut passer par. Je respecte Allah, Mohamed. Alors vous, on va appeler les malades, les paralytiques. Ils viennent ici devant. Vous prierez Allah, Mohamed, sur ces gens. Moi je prierai Dieu, Jésus-Christ, sur ces gens. Là où il y aura la guérison, c'est là où les gens vont se convertir. Et les aveugles sont venus. Quand ils ont vu ça, directement, ils ont cru que c'était de la blague. Ils ont vu des paralytiques, ils ont dit ça. Ça va pas marcher. Non, j'ai vu un coup. Un autre m'a donné un coup. Heureusement,
Ma cellule de sécurité était présente. On a ramassé. Il était tombé par terre. Et moi, j'ai échappé un coup. Comme j'ai des réflexes. En sens sportif, j'ai échappé les coups. J'ai senti l'air. Je me tenais seulement pris sur la figure. Je peux être défiguré. Voilà. Tous les coulisses de cette histoire de mon combat. Après, il y a eu la bagarre. On a arrêté, la police est arrivée. On a calmé, c'est fini. Pas fini, mais des choses sont. Et les, maintenant. Les conséquences. Les conséquences. Il y a maintenant notre ami qui est le pétrolier. Il est tenté dans les jeux. À l'époque, tu vois, lui-même, le président, était musulman. Mm-hmm. Mosé. Soit disant. Il paraît. Il était musulman. Il paraît. Ah bon. Mm. Il paraît. Il avait même un nom musulman. Ah bon. À part Laurent, il avait un nom musulman. Si je ne me trompe pas. Je parle à conditionnel. Vous lancez un grand mouvement qu'on appelle Sauvons les Congos. C'est parti de rien. Après, ça a pris de l'ampleur. Vous êtes devenu l'un des hommes les plus populaires de la RDC. Dieu merci. Et ça commence à déranger non seulement l'État, non seulement le gouvernement, mais ça dérange aussi avec d'autres religions. Coutinho, vous serez un jour interpellé, vous vous retrouvez en exil en France. Mmh. Comment s'est arrivée cette histoire pour fuir en France, venir vivre en exil? Vous reprochez quoi en fait? Le système me reprochait, il pensait que je voulais prendre le pouvoir. Il fallait fermer la bouche. Quand on veut t'arracher le steak que tu manges, tu te défends. Le pouvoir que je voulais arracher le steak. Et pourtant, vous prêchez la bonne nouvelle, vous prêchez auprès de fidèles. Comment vous pouvez sauver le Congo en ayant un comportement correct, en ayant un comportement de fidèles de l'Église? Pas de fidèles de l'Église, de tout Congolais. Nous devions prendre des consciences de l'état de notre pays. Ce qui est normal pour tout homme intègre bien, un homme de l'Église, il doit enseigner la vérité. Parce que dans ma Bible, on dit, priez pour le pays dont vous êtes. Parce que votre bonheur a dépend. Occupez-vous de ton pays. Et priez pour le pays. Votre bonheur a dépend. Et moi, en priant pour le pays, j'ai remarqué, si je laisse le peuple, ça va aller loin. J'ai intervenu. Je commence à donner des leçons. D'abord, j'ai plus de conscience. Tu dis, voilà, nous sommes en train de perdre le pays. On a eu des choses, on a vu des choses. Vraiment, on perdait. Avec l'erreur que Mosé a fait de nous ramener un groupe de gangsters, des gaillards, inconnus, au Congo, soit disons des libérateurs, on ne sait pas qui était dans cette troupe. C'est après qu'on a vu qui était réellement ces gens. Mais lui-même, après, il a compris. Quand il a compris, c'est devenu trop tard. Voilà, on l'a encore tué. Et moi, Dieu m'a dit, ces gens-là, que tu vois, il y a des serpents. J'ai dit, attention. Je dis au peuple, attention. Il ne faut pas faire confiance. Pas confiance. Il y a des serpents. Il y a un grand serpent qui monte, qui avance tout droit. Si vous rêvez, vous allez perdre. Voilà. Et quand les serpents compliquent, non, je suis démasqué. Quoi faire? C'est aller faire taire. Il a utilisé, malheureusement, comme d'habitude, les Congolais, pour faire taire. Et les gens de l'Église, et la politique, et l'armée, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et pour sauver la peau, comme dit la Bible, quand ça marche, quand on vous attaque, il faut fuir. La Bible dit ça, il faut fuir. Il faut partir. Il ne faut pas rester à terre, non. La Bible dit, il faut partir. Et vous avez fui. Oui, j'ai fui. Je suis venu en France. C'était pas la faiblesse d'affronter le pouvoir carrément. Mais déjà le fait de commencer à parler comme ça, je l'affrontais. Je le disais à haute voix, c'est que tout le monde disait à voix basse. Très bas.
D'accord. Il faut avoir le courage de dire ça à haute voix. Mm-hmm. Et moi, j'avais le courage. Parce que j'étais choqué. Dans mes habitudes, j'ai appris à me battre devant avec mon adversaire. Moi, je ne parle pas derrière. Je ne parle pas, derrière le dos de quelqu'un. Je parle en face. Parce que c'est Dieu qui peut tuer quelqu'un. Mm-hmm. Quand tu es un homme, on s'affronte. Mm-hmm. On va s'affronter. J'ai dit, ce sont des mecs. Ce sont pas des machines. Je vais les affronter. Mm-hmm. Mais comment vous êtes sorti de quitter ça? Vous quittez si populaire. Ah, là encore, ça c'est un secret. Mais j'étais sorti. Je me rappelle. L'ambassade des États-Unis m'a aidé un peu. Après, je ne peux pas dire d'autres choses. Expliquer. Il y a des choses. Hein. Uh-huh. Encore des tas. Des pays étrangers que je ne peux pas citer, qui n'est pas normalement légal dans des trucs, dans des normes internationales. Il a fallu qu'il se passe des choses illégales pour sauver quelqu'un. Il y a eu des choses illégales qui ont été faites. Au lieu d'un poteau, au Sali, presque 3 ans, on gardait courage, voilà, continuer à côté à sauver les Congos. Mais sauver les Congos, ils ont qui en fait, ils ont qui vraiment ni. Plutôt que quand on est slogan, ils ont qui vraiment ni. Hein? Profondeur, ils ont qui sauver les Congos. Quand ça dit concentration, ils réveillent les Congolais. Pas la mouka. Bête sauver les Congolais. Voilà que sauver les Congos. Donc, Congo. Ce que nous voyons comme des acteurs, donc, Je peux dire ça à peu près. Parce que Moutala, c'est une sacrée. Il y a un conseiller pour dire la carte à sauver le Congo. Il y a des gens qui sont dans la musique.
Il y a un politicien, il a boyé, tu as boyé, boyé. Tu as la musique qui est pour t'attendre. Parce que quand il y a un anéis comme moi, il faut te tenir, ça fait. Pour mon côté, il faut te tenir, tout ton bouquin, tout ton bouquin, tout ton banda, tout ton gang, pour passer le gang. Papa, arrêtez. Chut, le dimanche. Papa, plein, il y a un peu de temps pour toi, tu es là. Tu es là. Et moi, il est très simple. Congolais à la mouka. Il faut que je me suis mis. Tout est distraction. Tout est aventure. Tout ça, tout est la mouka. Et moi, j'ai dit, il faut faire une chose. Et dans les Congolais, connaissant l'importance, c'est un mouka. Vous êtes un mouka, c'est important. Et autre chose, ce n'est pas par hasard que vous êtes Congolais. Parce que des individus. Pour un goût, il y a enrichissement personnel. Ça va selon quoi? Et le 20e siècle, non. Tu es bête, non? Tu es bête, non? En tout cas, tu es bête, non? Merci. Alors, tant qu'on sait l'immobilisation, on est là pour continuer. Un moment donné, on décide aux hommes. Là, on a un extrait. Il y a une interview au Accorda qu'un acteur nous a donné à écouter ça. Amis téléspectateurs, bien internautes, vous allez voir l'extrait de l'interview qu'il m'a accordé à quelques jours de son départ à Kinshasa, où il est allé se faire arrêter 2 semaines après. Regardez l'interview qu'il m'a accordé. Alors, monsieur Coutinho, moi je vais juste vous demander, ouais, quel est le message précis, clair et exact que vous voudrez donner aux Congolais du monde qui nous suivent. Nous émettons sur Internet, nous sommes suivis par le Congolais de partout, aux États-Unis, au Canada, au Congo, partout, à travers le monde. Quel est ce message que vous aurez à leur dire ce soir? Moi, je peux dire ceci au peuple congolais. Le combat sera légitime. Et béni de Dieu, si nous combattons pour notre pays, nous ne pourrions laisser personne de venir monter sur nous tuer, tuer nos enfants sur notre propre terre. Et n'oubliez pas, pensez au Congo. Congo, c'est notre mère patrie. Congo, c'est notre terre. On n'a jamais demandé à Dieu de notre Congolais. Et nous devions tous nous battre pour le Congo. Jamais les étrangers peuvent régner sur nous dans notre propre pays. Je vous dis, et je crois en vous, ensemble, on peut sauver le Congo. Merci beaucoup. Arcoutino. Yohana, on lance un appel, on l'oublie au Zoya, au Kepé dans la décision. Mais sachant que Kouna Bazela Kayo, au courage, on est monté. Et voilà ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que dans un monde à Bundaka, pour la formation, on va les mettre à Chido. La Chido de Bundaka, en face à face, tout est neuf, tout est si mal. Laissez-moi vous dire. Ce que la Simam Congo, vous êtes éliminé. La Messie de Bunda en face. La Bunda a été qui est la Bunda avec Bosso. Le mouton, il y en a un Bunda avec Bosso. Nathalie Moutou à l'époque, c'est là qui. C'est ce qu'on appelle Kabila, Kadambi. Tête devant la tête. Avec le système qui n'était pas. Est-ce que tu sais que chez nous, au Congo, il y a eu un homme qui était le chef d'état-major chez nous au Congo. Il s'appelait James Kabarre. Oui, je connais l'histoire. Et cet homme, écoute-moi, j'avance. Cet homme, quelques années après, quand celui qui l'a amené a compris que toi, moi quand on s'est connu, non. Rentre chez toi.
Cet homme est rentré chez lui. Il devient ministre de défense. Mais est-ce que tu réalises ça? Et le type, il a regardé l'amour. Mais cet homme-là, après, était devenu le Rwandais. On dit non. Il y a qu'un à l'amour. Je poste pas d'abus. Tu m'as cassé ma Le type, il est juste là-bas, ministre de défense. Na Rwanda. Chez nous. Quand est-ce qu'on parle d'un mercenaire? Un mercenaire, a fait des moutons. Il un militaire. Activité militaire. Il fait des activités militaires dans un pays, un autre pays. C'est lui un mercenaire. Et nous, au Congo, on a eu beaucoup de ces mercenaires. Des généraux reconnus dans leur pays. Ils sont venus chez nous. Ils ont exercé des activités militaires. Ils ont fait des guerres, ils ont tué. Ils ont des postes. Tout un tas de mercenaires. Comme celui qui était à Bukavu à l'époque, comment il appelle Jaskrab. Voilà, le groupe de Jaskrab. Mais comment on peut accepter les Jaskrab à 20e siècle? Alors, Tambo, au Kili, qu'on affrontait le pouvoir. Oui. Au Kitali Nabraza. On a quitté Nabraza. Au Katisi. Là, vous avez une statue à réfugié déjà. Oui. Au Renosa qui n'a pas de problème. Hein? Au Renosa, la statue à réfugié, tu regardes qui? Italien. Tu vois, il y a deux semaines après votre arrivée, Bakanyo a précoupé sa meeting à la stade Tata Raphaël. Mm. Isaac Ndengimi, l'arrestation. Mm? Arrestation de l'Ikende. Oui, ah, il y a Kiwana. Il y a Mr. Oyo, a trop. Il y a une force moko ya makasi. Tout bloqué. Et là, il y a. Il y a. Je suis en train de me faire un soldat. Militaire. D'autres en civil, d'autres en tenue militaire. Je suis en train de me faire un soldat. Je parlais comme normalement. Je dis bon. Le temps est arrivé, Néhémie. Nous allons construire le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 20e siècle. Le monde est en train d'avancer. Mais nous, les Congolais, nous sommes en train de reculer. D'abord, avec Kabila, les fils, il nous a fait reculer 50 ans en arrière. Je dis, on a fait 50 ans en arrière. 50 ans. 50 ans. On ne peut pas continuer comme ça. Et après, enfin, l'autre 50 ans, ça fera 100 ans. Donc non, on n'est pas condamné à être des marées là, reculer toujours en arrière. On doit avancer. Dans tous les pays, les gens avancent. Écoutez, les gens se modernisent. Moutouye Moko. C'est-à-dire que l'autre a... Tu as mis un beau costume. C'est bien. Pas plus mal. On s'est modernisé. Nous, on ne veut pas se moderniser. Alors, toi, la mouka, et on se met. Alors, et afin de tout ça, je peux te dire, les problèmes du Congo, la conscience est Kabila. À l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, je peux dire, en invisible, les problèmes, c'est Kabila. Et alors, je parle. Dans la petite secret, il y a des militaires rebelles. Il y a des militaires rebelles. C'était là chez lui, armé. Mais tu sais que quand on avait trouvé des armes chez lui, armé qui pour contre un gars. Armé. Armé ma casse.
Bravo pour les combattants, ils dépassent. C'est Bandakara, le combattant. Hein? Qui combattait Bandakara. Mais, souvent le mot, base, là, on trouvait base. Ils dépassent. Bruno Tibala, on m'a admiré. Mais c'est Bruno Tibala, ex-premier ministre. On m'a admiré. Donc, il y a qui prise de conscience de tout le peuple congolais. Prise de conscience. Peuple congolais est indigné. Tout le monde. Vous avez besoin d'un leadership. Avançons. Archie. Nous avons la clarté. Donc, là, maintenant, la voiture est en arrière. Vous connaissez mon côté. Moi qui parle, Archie. Je vais me faire un peu de temps.
Ping. Oh, docteur Kangayo. Kangayo. Karim Seng. N'a moins besoin de rêver. Je le connais. Ah, voilà, j'étais. Et la tête, vous avez un banane. Je suis un policier. Je suis un karaté. Je suis un policier. Je suis un mazier. Je suis un banane. 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 Je Inga na vandi gati ti van abi konel awa tole sa misute bato ba malamute bana ba petit ni oh ça sait te to jo o zangai ba petit na ko beta bino ma jo atima taka mo ko so ayabo na bendi ba no beta bino o gudi. La bête, la bonnette, la bête, la bonnette, la bête. La bête. La petit, petit, quoi est bien. À ce quoi est bien, t'es petit, au boucané. La tournée, la balassée. David, la moindre, la bête, trapèze, le rabat, rwandé, bâti mélangé. La petite n'aille, la petite n'aille, la camarade, la belle qui n'aille. Voilà, c'est ma jido. La commis, la policier. Ça vous spécial, il y a quoi là? Vous dire bien que ça là, c'est pas là, là, Je ne sais pas si tu as un problème. Et reste mal de bâti. Ma journée, vendredi, à Gani. Oh, parce que tu as la kiss, il y a tout le monde. Oh, parce que tu as la kiss, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. La bête bango qui t'a encore propre la vie va van la sauce on a van arben boya vous me l'aimez qui boya ma joie ah ma cambozan passe à la crise de tumba tout le monde ma camboya on t'a la macamboca van le temps à timoké mouké à moi n'a bête à ma toile tiens vu pasteur. Tout ça n'a pas de bioté. Pardon, pasteur, vous gagnez dans le grand bitumba, tokei. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous avez condition. Donc, il y a un dossier magnifique. Pour son dossier, il y a un assez zali, mon boulot. Il y a un dossier qui est un peu plus de temps. Ok. Je vais vous dire que c'est un peu plus de temps. La quitte. C'était mon bandit. Donc, ma critique que soit pour la banaliser, mais le voiture mourir koufa qui m'a balan. Bayen en voyant bien en bas, voiture bac la moutou. Pour pas mon athée. Oui, ma mourir. Bayen, il te dit, au quota. La côte n'a qu'à dire. Et qui m'a balan. De ma madame. La côte la bandit. Batisigra, toi qui n'a qu'à dire. De Kati, de Comina. Na tokomi na lingwala nzambe akiti de voiture ça c'est dingue ni voilà la séparation ya moi voiture et quatre montres
Archibishop. C'est là où la bagarre était maintenant entre police et population. Les gens sont morts. Tout un tas de choses. Alors tu me dis qu'il ne faut pas le passer. Donc tu réclames un tribunal pour juger la mort. Il y a le truc de mapping qui est là. On doit voir tout ça. Des rapports mapping. On doit voir ça. Tous ceux qui sont morts. On le doit. Congo. Oui. Les gardes qui étaient morts à Abouga, les générales. Les gendarmes, Mamadou Ndala. Et Mbosan Abe. On doit voir tout ça. Mais qu'il y a des Donc il faut réouvrir non. le dossier oui, obligé. De mort pour la République. Et réparer. Réparer la famille de Tungur, Chebe. Il faut réparation. Baba dit que non, donc, alléluia. Donc tu réclames donc clairement l'ouverture. J'ai montré déjà une association, les victimes des systèmes, Kabir. Association des victimes. Il faut donc Attends. Après, tu as un rapport mapping et il y a. Parce que le tribunal international n'a qu'une couronne. Après, je ne peux pas créer mon nom sur Bouka Vonnaie. Parce que tu me dis qu'il y a des généraux qui sont complices. On doit arrêter. Généraux et portiers. On doit arrêter tout ça. Il doit avoir une justice. Mais ça se fait déjà petit à petit. On doit continuer. Oui. On doit continuer. D'accord. Revenons à notre histoire, Pasteur. Là, beaucoup mieux la Kinshasa, aux yeux frais torture, il y en a un colonel. Là, voilà. Comme bêta. Yom da pomba, yom pomba. Yom pomba, ça veut dire quoi? Une force. Colonel, yom colonel, yom de la, yom mon. Tu vois, colonel, voilà, était Kaya. Un bon gars de Coralep. C'est eux, d'aller en groupe avec mon frère qui travaille là-bas, la DSP. Ma gaillère en esprit. Ma biore, mon. Ma petite à bêtis, colonel. Là, ma traque, ma taser, tout. Au faux, c'est un morceau. Morceau, oui. Voilà. Qui est avec nous? Qui est avec nous? Non. Moutoy. Monsieur, de quoi? Pasteur, mission. Et on a balancé évité. N'a qu'on s'apprend à tirer bas. Ma bête colonel.
Tu as dit que 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 tu as dit que
Vite que Marc le bien à moi. Et quelques jours après, France va dire à lui aussi à moi. Je me rappelle Bocham. Qu'est-ce que tu dis? Le roseau va nous acheter. Dès nos yébi, il y en a quand même un roseau à l'heure et se dépasser. Mm-hmm. Ngaï, la yébaki. Quand même, la yébaki n'a pas de Ngaï, la yébaki. Nous avons trois gens qui ont attaqué le Congo. La nuit, voilà, Kim n'a pas. Théophile, même, mes intérieurs. J'ai informé, s'il peut m'écouter. Nous avons besoin pour moi la mission. Ces gens n'aiment pas le Congo. J'ai informé, j'ai dit le pays est pris. Demain, il y en aura l'attaque dans tel pays. Dans tel pays, il y en a est. Ngaï, c'est le ministre intérieur. Il est informé. Et la nuit après, tout l'abattoir est entré dans le Congo. Le ministre intérieur va dire, mais comment c'est ce jeune homme? Alors, on va attaquer le Congo, il va côté. Alors, il dit, il côté. Ce jeune homme, ou il est complice, ou il a quelque chose. Top, non, boy. Et le jour après, on a besoin d'attaquer à Pazi. Pas ça, Congo. Moi, j'ai informé. J'étais au courant. Je savais, comme Jérémy savait, tout ce qui s'est passé là-bas. Après, t'avais un ennemi. Tout. Ce qui, mais c'est là. Théophile, même à la sincère. Et c'est là, moi, j'ai dit que ce qui, ils ont besoin d'une nouvelle. Pour nous, nous avons gagné. Première nouvelle, nous sommes solo. Deuxième, nous avons gagné. Ce qui nous a fait complice. Ces gens sont complices parce qu'ils se demandaient comment Coutinho est au courant de tout. Et même Kabila disait aux gens, qui informe Coutinho? Ce type, il est au courant de tous les plans, tous les complots. Il y a M23, tout. Je suis au courant. Voilà les problèmes. Bon, alors, quand vous battez procès, va condamner 10 ans, et non, 20 ans. 20 ans de prison. 20 ans de prison. Officiellement, ils ont dit pour nous, bon, ma pasteur, nous sommes. Officiellement. Officiellement. Soit disant. Mais ma comme un minou qui va l'entendre que vous souhaitez. Hein? Ma comme un minou qui va l'entendre. Maintenant, il y a un peu de temps, 4 ans, ça n'est pas un peu de temps. Toi, il y a un peu de temps. Ah! 20 ans. Pour ça, là, qui? Toi, Koundaye. C'était voir mon problème, hein? Ma belle-mère. Je vois loin. Ça, c'est mon défaut. Je vois ce que toi, tu ne vois pas. Mm-hmm. C'est un problème pour moi. La moi, je suis en avance trop. Quand je vois ma caméra, je suis en avance trop. Quand je vois ma caméra, je suis en avance trop. Je suis en avance trop. Moi, j'en ai parlé déjà depuis longtemps. Pour l'engager, les cas, sida. S'il vous plaît, pasteur, nous allons suivre un extrait de procès, quand il s'est défendu tout seul, il s'est parlé comme un avocat, il y a près de 10 ans, ça s'est passé à Kinshasa, lors de son procès, les jours du verdict pour être condamné à 20 ans. Regardez comment il s'est défendu. Là où j'ai dit encore, la République est en danger, j'ai failli tomber quand j'ai entendu le EMP qui pourra me protéger, qui pourra me garder, pour se dire, c'est Coutinho qu'on visait. Vous savez à Lingala, qu'est-ce que cela veut dire que Coutinho qu'on visait? Et c'est lui Coutinho autre que Canela. Voyez-vous dans une maison où votre propre parent, votre propre papa vous dit, Nazaro Canela yo, qu'est-ce que moi Coutinho je fais pour Canela ngai? Ma béni nasala pona nazala sujet ya ko Canela ma aux hommes en armes. Voilà là où je dis que c'est vrai, la République est en danger. J'aimerais dire que les droits de l'homme ne peuvent plus être une simple déclaration. Les droits de l'homme ne peuvent plus être un simple slogan. Mais faisons les droits de l'homme notre vécu quotidien. Et je me demande, à part moi, combien de gens ont eu Bokane là? Combien? Et si vous continuez, on n'aura plus personne sur la terre. Parce que nous avons là. Je suis votre frère. Je suis pasteur et je travaille pour la République. Je n'ai rien fait du mal. Voilà pourquoi j'ai tenu à prendre avec moi la Bible. J'étais touché
pour ces paroles de OMP. Et parce qu'il n'a rien dit, moi j'ai dit, je vous remercie. Et que Dieu vous bénisse avec ma Bible en main. Mbappé, si aux 20 ans. Oui. Tant aussi 20 ans. Oui. Aussi en bonne année. T'as besoin d'avoir 20 ans. Nathalie Laseki. Badroumou, la gagne à 5. Mais la carrosse, c'est quand même. Bat-toi, Lélie. Les gens pleuraient. Parce que les gens étaient sûrs qu'on va me libérer. Il y avait pas des problèmes. Batouba Lélie. Donc, le bébé, me merci. Je suis 20 ans, je suis 20 ans. Maintenant, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de pendant 20 ans. Psychologiquement. Je suis 20 ans. On dit bien. Attends, c'est gars, tu n'as pas de Congo. Pour que tu n'as pas de normal. Maintenant, on va faire ma casse tournée. Ils sont forts, ces gens. Ils sont très forts. Ce sont des multinationales, ce sont des pays, des présidents des pays uniques. En plus, c'est Nabucodonosor lui-même. Est-ce que Nabucodonosor, il y a un président de la Congo? Toi, comme si on a prison. Il y a une prison. C'est la prison, on a bien. Il y a une prison. 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 Bon, on a une prison. On a. Général Kasson. L'actuel? Oui! Groupe n'a pas dans la gâte, il y a celle d'Angers. Aïe bien, général Kassongo. Ah, général, général, a commandé, a gardé prison. Groupe n'a pas. Ali, aïe colonel. Aïe pas colonel. A gardé opération, il y a prison à Makan. Bateau n'a pas. 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 Chef de compagnie, Baudouin, celui qui a pris mon argent. Et avec un soi-disant cousin, il y a Kabila, avec un jeune ami. J'oublie le nom de ce colonel. Il s'est dit, cousin, ça me fait rire en plus. Soi-disant. Besoin d'un bon, d'aller. 8000 dollars. Comme je dis, les prisonniers, on peut savoir. Prison, ma babla, on l'a. Tu sais, dans la prison, on va aller des prisons. Comme ça, prison, comme ça, mis ça la prison, courage, j'ai arrêté, faut que tu aies singa, la prison était abandonnée. Mais la prison a été à bien. Parce que tu vas aller dans la prison, tu as un côté. Attends, robinet, pas ma robinet, ça n'est pas robinet. L'État n'a pas l'argent pour la rembourser, la robinet, pas ma prisonnier. Moi, j'ai rangé. Attends, pour l'air, il y a Pamba. Attends, singa, Pamba, ma singa la prison. Donc, je vais vous dire que 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 avec les pauvres. J'ai parti avec les pauvres, mais l'État est venu me voler encore. Un État voleur a eu battu la télé. A eu des gars, on a eu la télévision, on a eu la radio, on a eu la caméra. Est-ce que peut-être que la police, parce que la caméra, la police nationale, ils ont la caméra, il y a un privé. Est-ce que tout le monde se rend compte? La police nationale, parce que la caméra, il y a privé. Il y a un peu de temps. 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 L'État va congolais. Je dis congolais. Quand vous voyez des choses comme ça, vous dites quoi? J'ai dit, j'ai encore à faire. Voilà pourquoi nous avons gardé en vie. Je me garde en vie, non parce que je suis meilleur. Non parce que je me les rends plus qu'un docteur. Non. Parce qu'il a mis en moi, le Dieu, quelque chose. Voilà. Il y a un peu d'intégrité, un peu de. Logique, il y a pour résister. Parce que
ce qui m'a été la corruption, va en accuser. C'est ce que je dis. Non, mais général, quand je suis bien, j'ai dit non. Voilà. Je n'ai pas la voix quand même. Je vais me dire que je vais négocier comment je vais me faire un peu de temps. Je vais me dire que je vais me faire un peu de temps. 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 Je vais me faire un peu jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle, je dis, laptop de moi, non, un beau coyard, le tirage général, jusqu'aujourd'hui, c'est pas le tirage général, laptop de moi. Alors, vous avez vécu 8 ans en prison. Un jour, vous tombez malade. Je fais la crise. Vous avez fait la crise? Oui. Au moins du vertige. Pas la quoi. Dans la quoi, ma police a sauté. Le bourreau s'est moko. Droite. La quoi, la CIA met ça. Ah, on voit qu'il a sauté. Mon euro, on peut côté. On a moni, on peut dimater, mais on a un euro à la monnaie. On a un éliminé. Je suis rationnel. Voyez ça. Je vais vous montrer. Sur eux, à taille de mes sacs. Je suis vert, c'est là qu'il a mis ça. Du coup, bête. Il y a mon avis. Qui m'a arrêté en banque, mon avis. Sport. Appel de sport. C'est important, la vie. Et vous voyez, le sport, il peut s'en aller maîtriser mon bonheur. Il y a. Tu n'as pas eu maîtriser lui. Mais tu dois bien avoir un mélange. Contre. La vue verte. Je me suis dit, la police. A qui m'a dit? Je me suis dit,
Prenez
Aza prune à charge dans l'État. C'est dans ma tête. Ma poussée n'a fait un bon. Pour aller en bon. Tu vas te scope qu'un anganda. Pour aller en bon. Total de cause, ça va combien à peu près? Na une année au secteur. Dans les 500 000 à 600 000 dollars. 500 000 dollars? 600 000. Bah, soins, chambre, tout. N'ganda ta loi. Bah, 600 000. Or, je répète, or, d'après ni la Constitution nationale, papa Kingon, il a dit très bien que l'État congolais prend soin de Coutinho, prend en charge soin d'un étranger, n'a déplacement là. L'État congolais n'a rien fait. Et Mbong et Maki, c'est dans les poches de quelqu'un. Dans mon opinion. Dans le vrai, oui. Il y a qui m'aura besoin Mbong. D'après disposé à la Constitution nationale. Papa Kingo, il sait très bien. Ils ont constaté. Bon, il y a un qui va dans une bombe. La Bimi, mais il y a un bon. Bah, et belle. Et Bimi, la banque. Bon, et Bimi, qui va lire. Ou Baliango. Parce que lui, là, qui n'a pas mal. Il y a un gars, il mourra. Hôpital, il y a un gars, il mourra en France. Oh, lui, il est fou, il est mieux surtout. Bah, ça dit rien. Alors, rien. R-I-E-N. Bon, et bien, mais, bah, Yanké, bah, Gaïa. Y a Congolais. Bah, Yibi. Bah, Yibi. Vol d'État. Et bah, on a un peu de tambon. Y a Congolais à Madès. Il vole de pas milliards à Yibi. Mais ce qui fait plaisir, c'est-à-dire aux autres, c'est grave. Oui, parce que là, on a un peu de l'amitié. Yibi, Gaï, on a un peu de l'amitié. Moi, j'étais triste. On est un peu bangaï. Triste de te savoir dans cet état, mais je te vois. On est bien. Morel, tu es combattant. Résister à ton mais c'est quoi le mot? Tu dis ça, c'est pour quand? Je ne sais pas. Je n'ai pas de temps. Attends, on observe. Vous m'avez déjà 2014. Oui, mais là, on t'a là. Maintenant, on a dit qu'on peut s'apprendre dans mon cycle. Non, on peut s'apprendre dans mon cycle. Non, parce que quand c'est la musique, on a dit, ma combattante va bien. On a besoin de ma combattante va bien. Qui maison a, tout va bien. On a beaucoup de besoin. Pas besoin de besoin, on a besoin de bien. Merci. Le besoin va bien, il faut travailler. Pendant que nous allons voir quand on va tout ça, c'est pas tout le monde. 90%, 98% va tout le monde. Moké bon. On se bat pour ça. C'est mon pays. Moi, je vais tout le monde rabouer. Nous avons un syndrome médiocre dans le domaine de la politique. Mais la religion. La chose, c'est que Nani, il y a le président Lobby à Sali, Union Sacrée. Le but, il y a Union Sacrée. Bon, déjà, point de départ, il y a un changement de mentalité. Mais le problème, c'est que Baope Balaki, de l'autre côté, Longoni, ba veste, va changer. Le problème, c'est que. Et le problème, c'est que bah, toi, quand tu as une idéologie, il y a un président, il y a un président, bah, médiocre, mais c'est à lui qui change, c'est le leader qui change. Oui, mais Kasmaton a beaucoup. C'est le leadership qui doit changer. Mais tu as vu le temps qui a passé pour la constitution du gouvernement. Mais là, il a les couloirs devant lui, c'est à lui de s'imposer, sinon, on va. Excuse-moi, parce que moi, ils allaient compliquer. Fabio, on a dit, il a tout compliqué. Pourquoi c'est l'anglais, tout le monde s'en Congo. Comment tout le monde s'en Congo. Ça, c'est mon souci. Toi, Rajib. Il faut déjà en être intègre. Congo, c'est un beau pays. J'ai amené des gens au Congo qui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites en Europe, en Amérique? Mais vous savez tout. Je me rappelle, j'avais amené un groupe de gens. T'as là, l'épreuve de Mouroutou. Bah au temps où la forêt bah côté là bah fleur mon quoi n'a pas besoin fleur on a les parfums sur aux yeux tu peux mettre parfum comme tu veux bah fleur moi vous avez américain le bi c'était un américain haïtien ça c'est vous êtes dans le paradis vous voulez dans le paradis vraiment mais toi la chance ça va conditer. Tu as vu tout ça dans le paradis, mais
ça va continuer à bombarder. Il y a des gens qui ont la volonté, mais quand les élites, c'est nul. C'est ça, il faut se battre pour ça. Chacun dans son domaine, chacun dans son coin. Rémi, la côté de la côté de la côté Il y a un peu de mouchimaï. Il assemble avant qu'il ne bouge pas. À moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Archibishop Tantino, vraiment ici, moi j'y suis heureux parce que j'ai vécu votre départ à Kinshasa, je vous ai interviewé il y a 13 ans, on était jeunes toujours, hein? On était encore jeunes. Très jeunes. Ah oui, c'est jamais moins de 50 ans. Très jeunes. Donc moi je suis content de vous voir comme ça, c'est vrai, il y a quand même des séquelles. Des séquelles. Mais vous avez encore votre cerveau. Oui. Vous avez encore C'est bien, mais faut zone à qui. On peut pas fuir le pays. Faut continuer le combat. J'aimerais dès la salle en 2006. On passe à moi un message d'espoir. Un peuple congolais. Vous êtes au fond dans le paradis, même si vous avez baraté. Passez un message, mon espoir, un peuple congolais, en attendant mon aïeau, on ne sait pas quand, pour tout clôturer l'émission, s'il vous plaît. Je dis seulement que le peuple va te l'envahir. C'est que je dis que tout en espoir. C'est vrai? Mboula m'a cassé Bétara, n'a pas caqué. Mboula, voilà. Bibi Saraba, après, les légumes. Et à vos armes belles. C'est vrai, tu me bézali. C'est vrai. Promesse bézali pour l'abisso. Les angaïs morotés, on a souffert pour l'ambok. Tu sais, belle pas confie. Mais on a tout ticaté. Tout en espoir. Souka ton com. Et l'on connaît dans mon Christ à radé. Mboule vite à côté de cela. Avie ma taravé qui taga. Et l'on connaît cela radé. Un jour, et rokita. Tu aurais donné comment l'abisso. Et le moko et le moko tout est au bunda ou elle en a tout et le moko tout à la conscience fait bowling ou yambo kamakas tout simbala tout tombe la paradis la bison tout comme un jour tout comme la l'équipe de la boulon en boca y a un côté tout un dingue moko sur ce mus de l'ensemble tout gagné et le moko ah non voilà en avant. Vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Sauvons le Congo. Et le Congo ne t'aimera jamais. Merci, M. Coutudin. Merci à Sibichot. Merci à vous, Roger Kabea, de nous avoir accompagnés ce soir. Voilà, mes téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous très tard. Il est 1h du matin. Nous sommes encore au studio. Il a sympathie de venir répondre à notre invitation. On est resté plus d'1h40 à faire cette émission. Puisqu'il voulait s'exprimer, parce qu'il voulait parler depuis sa libération, depuis son départ de Kinshasa, il n'a pas parlé et il voulait le faire chez nous sur Elite Africa TV. Cette émission sera rediffusée sur Numérica TV à Kinshasa. Merci à vous. Merci à nos amis de la réalisation, Christian Mbamou et Sonny Mukanda. Merci à vous. Vous nous suivez de partout et à très bientôt. Bonsoir.